Je suis Vincent de Vicente Longboard. Je fabrique des surfs depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis installé à Saint-Hilaire-d'Aurier en Vendée, à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À aujourd'hui, je fais une planche et demie, voire deux planches par mois grand maximum. J'aime bien prendre mon temps sur les finitions du shape, sur le glace. Je suis très très exigeant sur la finition des planches. C'est Daniel Créniou de Daniel's Longboard qui m'a initié au shape en me donnant de précieux conseils sur plusieurs aspects techniques. Et puis, au fil du temps, le shape est devenu mon métier et ma passion première. Mes inspirations au niveau des shapers, ce sont Del Cannon, Terry Martin, Roger Hines, et puis le japonais Hironobu Sakamoto qui fait des pigs extraordinaires. Depuis peu, je me passionne de rabots de shape de la marque Skill. C'est ce fameux rabot emblématique américain dont j'utilise pour fabriquer mes planches et puis que je démonte pour remplacer les pièces et je les remets en l'état. Un autre shaper aussi que j'affectionne particulièrement, qui collectionne aussi les Skill, c'est Gene Cooper, qui m'a bien aidé aussi concernant toutes les subtilités et les pièces des rabots Skill. Ma particularité sur le shape, surtout de longboard, ce sont les rails pincés, typiques de ceux qu'on peut retrouver sur beaucoup de planches américaines dans les années 60, et puis ainsi que le travail du bois pour la réalisation d'ailerons ou de tailblock par exemple. J'aime beaucoup le rapport avec le client, les chances sur les différents éléments de shape et de déco, ainsi que les demandes particulières de certains d'entre eux, rendant mon métier enrichissant et intéressant de tout point de vue.